dire. Ouais, ah oui, c'est... Super. Le menu de la semaine. Voilà, donc ce midi c'est asperges, sauté de lapin frites, salade, yaourt, frites. C'est pas mal, dis donc. Et c'est pas mal, hein. Et tu manges pas ce midi, hein. Ah, super. Donc t'as des frites ce midi quand même. Donc depuis 2016, je fais un journal filmé que je publie chaque semaine sur une chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est à 216 épisodes. Ça représente un cap puisque ça représente 24 heures de vidéo, les 216 épisodes. Donc on pourrait imaginer une projection de l'ensemble qui durait 24 heures. Donc les élèves ont choisi 12 épisodes. Moi j'ai rajouté un épisode, donc le dernier, le 216. Et donc les 13 épisodes sont diffusés en boucle sur grand écran. Comme dans le documentaire, on filme sans acteur, sans décor, sans scénario. Et on filme la vie telle qu'elle arrive, avec les surprises, avec... on filme sans savoir ce qui va se passer quand on appuie sur le bouton de la caméra pour déclencher, puisque quand on ne dirige pas les gens qui sont à l'image, ni rien du tout, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est aussi l'intérêt. Et après, à partir d'une masse d'images, de sons, enfin ce qu'on appelle les rushs, donc moi je fais un montage pour chaque épisode, donc sur une durée de 6 minutes 40, c'est une durée qui est définie une fois pour toutes. Je filme au quotidien, donc souvent c'est des images qui reviennent d'un épisode sur l'autre régulièrement, voilà, des gestes du quotidien. Et comme on filme avec un appareil, moi je filme avec une petite caméra, enfin un appareil compact, donc je filme, j'ai l'appareil dans une main et quand je filme, j'ai qu'une main, j'ai que la main gauche de livre, alors je peux pas faire grand chose non plus. Mais voilà, l'idée c'est de filmer à portée de main, parce qu'on a à portée de main un peu. Finir le premier épisode de ce journal filmé.